L'adolescence est un âge pas facile pour les parents, mais aussi évidemment pour les jeunes, et qu'il se construit avec une communauté d'adultes. On a parlé évidemment des médiateurs à l'intérieur du collège, mais aussi à l'extérieur. Ce lien-là avec l'Optima, il est essentiel. Mais il y a aussi d'autres acteurs adultes qui sont très importants. Je pense notamment aux associations qui font du soutien scolaire, qui sont aussi en lien lorsqu'il y a des situations de décrochage ou en tout cas de perte de repères pour un certain nombre d'adolescents, avec des propositions repérées entre ces médiateurs, ces acteurs de l'accompagnement scolaire. Mais je pense aussi à la Maison des adolescents, qui fait un excellent travail et sur lequel on va engager une expérimentation dans le cadre du projet d'investissement d'avenir sur la question du climat scolaire. Donc c'est cette communauté des adultes qui nous permet de, ensemble, et je crois qu'il y a une grande confiance entre ces adultes-là. Je dois citer également l'Association de la prévention spécialisée, la DPS, l'Association départementale de la prévention spécialisée, qui fait aussi un excellent travail de repérage et qui permet pour les plus jeunes, en tout cas, de repérer ces instants de décrochage qui, derrière, évidemment, quand on les retrouve à 15, 16 ou 17 ans, sont des moments très difficiles à vivre. Et donc, plus on les repère tôt, plus on a de chances, effectivement, à permettre à ces jeunes de retrouver, une scolarité qui leur permet un plein épanouissement. Je vous remercie.